Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les tutos de Medex. Donc, au menu, nous avons cette coupe-là. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Hashtag le paradis se mérite, hein. Donc, on va essayer de tracer justement la ligne ici. Donc, une belle petite courbe. C'est quand même une partie assez difficile à tracer comparé au devant, admettons, ou le derrière. Donc, pour ce faire, on a besoin d'une tondeuse de contour. De ma part, j'ai la Wahl Detailer. Donc, je dois utiliser les tondeuses, en fait, les tondeuses, les coins de la lame. Donc, vous voyez un peu ici, les coins ici, non, les coins là, en fait, de gauche-droite. Pour commencer, en fait, je me tape les repères. Donc, commence par tracer un peu ici et un peu là. Là, on vient ici. Vu que bon, le mec il veut garder la grosseur de ses favoris pour justement aller avec la barre. Donc si c'était un peu plus mince, donc j'allais m'ajuster en conséquence. Donc ça allait être le point de repère sera plus, on va dire ici, là, au lieu d'être là. Donc voilà. Après, je vais justement venir relier justement les deux repères pour créer une courbe. Qu'est-ce que je fais? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise les coins de la tondeuse. Donc, vous voyez un peu comment ma tondeuse est en ce moment, comment je la tiens. Donc comme ça, j'utilise vraiment les coins de la tondeuse comme un stylo en fait. Donc j'y vais vraiment chou. Donc j'utilise pas le milieu, en fait. Quand je dis les coins de la tondeuse, je parle du coin de la lame en fait. Donc j'utilise pas le milieu, hein, les deux coins seulement. Donc comme ça ou comme ça. Oh, qu'est-ce que je vois là? Une belle petite courbe. Vous voyez, donc les proches, donc aussi comme ça. Et pour justement, je répète encore, pour tracer les repères, moi qu'est-ce que je fais? Je vais quand même, au lieu d'utiliser les coins de la tondeuse, j'utilise une grosse partie de la lame. Donc je pèse et je tire. Ici aussi, je pèse et je tire, donc je crée les deux coins. Et ça m'oblige vraiment de justement créer une courbe. Parce que voilà, si je vais là, je ne sais pas où je finis, ben, je risque de déborder ou de foirer, peu importe. Voilà, ça c'est ma façon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ma façon justement. Si vous avez la vôtre, tant mieux. Mais si vous voulez justement
vous êtes à la recherche d'une autre façon de faire, voilà la façon MEDEX, comment faire une belle courbe.